dans l'univers de l'art. La peinture s'est frayée un chemin pour atteindre les sommets, devenant un passage une discipline artistique incontournable. Lors de la deuxième journée de la Fête des Cultures dans sa 14e édition, un rendez-vous des populations avec leur origine, la peinture a encore répondu présente. Des toiles, des masques, des rites initiatiques gabonais. Dans toutes les toiles que je peins, il y a toujours une pensée à nos ancêtres. Ici, on voit la sitar, l'ombette, le tambour. Vous avez le masque teke ici. Vous avez le njil fan et le masque pour nous. La peinture peut traduire toutes les conceptions de l'esprit au moyen de toutes les réalités de la nature ou de l'imagination dans leur forme et dans leur couleur. Mais le nom de l'œuvre, c'est l'arbre géologique du Gabon et de l'Afrique centrale, dont j'ai travaillé sur plusieurs masques du Gabon et les masques de l'Afrique centrale. L'art traditionnel africain se trouve lui aussi fortement représenté par la sculpture et autres pratiques artistiques, un véritable patrimoine ancestral. Oui, après les masques, il y a les instruments de musique traditionnelle, il y a comme l'envette. Là, c'est les masques pour nous, avec les totems du Gabon, de l'improvence du Gabon. Il y a les mungongo, il y a les balafons, il y a les tam-tam, il y a l'engil, il y a aussi les fétiches Congo. À travers ces toiles, résolument empreintes d'originalité, qui mêlent imagination, couleur et toutes les ressources naturelles du Gabon, la culture gabonaise ne cesse de démontrer son immensité. On assiste à un rapprochement de toutes les diversités culturelles qui contribuent à la construction de la nation.